avons eu une présentation sur les mystères de la vie intérieure. Je pense que ça vous a fait beaucoup de choses. La fameuse question, est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît vraiment? C'est une question que vous aurez à débattre dans 2 ans. Déjà, avec l'intervention des élèves qui sont en humanité et d'autres qui veulent, s'ils ont su proposer de faire. On va avoir tous les mercredis une petite séance, malgré le bien voulu nous accorder qu'un petit temps, pour que justement nous rendions nos élèves exposer et nos élèves poser des questions. Et surtout permettre à nos techniciens Gary d'avoir du matériel pour alimenter le site de l'école et représenter votre école à l'étranger. Okay. Donc, j'ai que quelqu'un derrière la porte. Ok, voilà. Donc, ce matin, c'est Isabelle Voltaire qui va nous parler des révolutions artistiques au XXe siècle. Ok. Donc, alors, on considère le XIXe siècle, ça va? Ok. On considère le 19e siècle comme un siècle de la révolution industrielle. Il s'accompagne donc de nombreux développements industriels et artistiques et donne foi en l'idée du progrès de l'humanité. Néanmoins, avec les deux grandes guerres du 20e siècle, la foi en l'être humain et en la science est remise en cause. Du 19e au 20e siècle, la création est marquée par des ruptures, notamment dans les beaux-arts et dans la littérature. La métamorphose du monde se trouve donc accompagnée, voire anticipée par les artistes qui la répercutent chacun dans leur domaine. Les dadaïstes qui sont désireux d'apporter de nouvelles valeurs, le cubisme qui fait exploser toutes les formes et l'art conceptuel qui fait intervenir les objets du quotidien et qui est lancé par Marcel Duchamp. Par ailleurs, l'effervescence à Paris en 1917 va donner naissance au grand courant du XXe siècle. Mais, donc, je disais que si l'effervescence à Paris de 1917 va donner naissance au grand courant du XXe siècle, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'humanité est en crise et ça va s'illustrer particulièrement dans les arts. Donc, l'ensemble de la période contemporaine va être marqué par des questions frappantes et fondamentales. Peut-il y avoir création après l'horreur humaine et est-ce la fin de la littérature et de l'art? Pour parvenir à répondre à ces questions, nous aborderons 3 axes. Nous étudierons d'abord le XXe siècle comme un siècle de rupture, pour ensuite analyser une certaine continuité qu'il entreprend avec le passé, pour finir par étudier la création post-Seconde Guerre mondiale. Okay. Tout d'abord, le XXe siècle symbolise la transformation de l'art. C'est-à-dire que si avant, l'art était perçu comme uniquement comme la recherche du beau et fidèle à la nature, il est désormais vu comme un outil de communication. Un outil de communication qui n'a pas peur de faire intervenir la provocation et qui met en place un dialogue entre l'artiste, l'œuvre et les spectateurs. Ce dialogue, comme dit précédemment, va dépasser la vision de certains philosophes qui, pour eux, qui voyaient l'art comme simplement une association à la recherche du beau. Donc, les années qui précèdent la Première Guerre mondiale voient l'apparition d'une esthétique avant-gardiste avec des mouvements comme l'expressionnisme, le futurisme ou encore le mouvement Dada. Avant de poursuivre, ce qu'on entend par esthétique avant-gardiste, c'est tout ce qui est novateur et qui rompt avec la tradition. Donc, ces mouvements que l'esthétique va apporter sont en rupture avec le 19e siècle et rejettent l'ordre bourgeois qui avait été mis en place dans le siècle précédent. En d'autres mots, ce sont des mouvements qui interpellent quand ils sont novateurs. Donc, cette esthétique va se retrouver dans la littérature avec de nouvelles formes littéraires. Les auteurs exalteront leur foi en la modernité, comme l'a fait Filippo Tommaso Marinetti, un auteur italien, à travers son manifeste du futurisme. La,
Là, on a des exemples de l'esthétique expressionniste, futuriste et de l'esthétique dada. Ok, donc pourquoi on dit que chacun dans leur domaine, l'expressionniste, ça, on est l'auteur essaie de sortir des formes. Par exemple, au 19e siècle, c'était connu que les auteurs cherchaient à exprimer le moi, donc à faire rentrer en jeu des sentiments. Mais là, l'auteur essaie d'exprimer quelque chose de plus profond. Comme, je ne sais pas si vous vous rappelez de la présentation d'Océane, qui parlait de l'inconscient, du moi, du ça et du surmoi. À travers l'expressionnisme, les auteurs cherchent à exprimer leur moi profond. Le futurisme, c'est... À travers le futurisme, les auteurs innovent, les couleurs se mélangent, les formes se mélangent et ils essaient de faire ressortir des choses qui jusque-là n'ont pas été tentées. Donc tu dis que les peintres innovent en essayant de faire les choses, des choses qu'on appelle ça futuristes, des choses qui n'avaient pas été tentées. Hein? Oui. Et les peintres dadaïstes. Donc, dans l'esthétique dadaïste, au XXe siècle, il voulait surtout instaurer de nouvelles valeurs, des nouvelles, pas mœurs, mais plutôt de nouveaux principes. Donc, il s'appuie plus sur la moralité. C'est pour ça que dans la plupart des œuvres dadaïstes, tu vas trouver une morale. Donc, on observera comme première crise créatrice le mouvement du surréalisme. Alors que la guerre se déclenche en 1914, c'est le traumatisme pour l'Europe. Le surréalisme rejette toute forme de construction logique de l'esprit et met à l'honneur le rêve, le désir, le hasard, la femme, bref, l'inconscient en général. Les artistes semblent vouloir créer un nouvel univers en rejet ou du moins en opposition au monde réel. On retiendra au sein de ce mouvement d'importants auteurs tels que André Breton, Éluard ou encore Salvador Dali, qui fameux peintre du XXe siècle, qui va marquer l'histoire à travers ses peintures surréalistes. Donc, le XXe siècle s'accompagne donc de la recherche de nouvelles formes artistiques en rupture avec les œuvres du passé. C'est la naissance de l'art moderne, les formes éclatent et on mélange tous les arts. En littérature, émergent les récits utopiques où la foi en l'avenir s'exprime, mais également des récits d'anticipation où le futur paraît bien plus sombre que le présent dans lequel ils vivent. Ok. La philosophie connaît également un renouvellement au début du XXe siècle, avec une remise en question des philosophies précédentes et un questionnement sur la modernité. De nouveaux courants voient le jour, comme la phénoménologie, l'empirisme logique ou encore les courants marxistes. Ces nouveaux courants cherchent à montrer un dépassement de la philosophie métaphysique vers une philosophie plus scientifique. C'est-à-dire que on n'interprète plus le monde, on essaie de le soumettre à des expériences réelles que l'on vit chaque jour nous-mêmes. Okay. Donc, néanmoins, bien que le début du XXe siècle marque une rupture avec le passé, on observe également une certaine continuité en art et en littérature. Au théâtre notamment, on observe une réappropriation des termes antiques. Et dans le genre romanesque, les codes romanesques du Moyen-Âge vont être repris. En effet, la réécriture des mythes antiques dans les années 1930 dans le domaine du théâtre vont trahir un besoin de retourner aux grandes questions existentialistes après une première guerre mondiale aussi dévastatrice qu'inutile. Par exemple, en 1934, Jean Cocteau fait jouer sa pièce « La machine infernale » dans laquelle il réécrit le mythe d'Œdipe de Sophocle.
On remarquera également un retour à la tradition dans le genre romanesque. Effectivement, au XXe siècle, les romanciers cherchent à se réapproprier les codes romanesques et l'un des plus en vogue est celui de la rencontre amoureuse. Par exemple, Marcel Proust, qui est familier au roman La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, reprend le thème amoureux du coup de foudre dans son œuvre Du côté de chez Swann. Okay. Parallèlement, après la Seconde Guerre mondiale, une véritable crise existentialiste a lieu. Le théâtre de l'absurde émerge. Donc, dans le contexte de cette crise existentialiste, un nouveau mouvement apparaît, l'existentialisme, qui est un mouvement littéraire et philosophique qui cherche à mettre l'homme face à lui-même afin qu'il puisse résoudre toutes les énigmes qui se poseront à lui. Jean-Paul Sartre sera défini comme le chef de file de ce mouvement et écrit que c'est l'existence, les conditions de vie qui font l'homme. Un homme n'est pas fait dès sa naissance, il devient. Donc ça va rappeler Simone de Beauvoir qui, dans un de ses ouvrages parlant de la féminité, affirme que l'on n'est pas femme, on le devient. Donc on se crée perpétuellement par ses actes. Dans cette même vision, le théâtre de l'absurde émerge dans l'optique de redéfinir l'homme. On reconnaît en effet l'absurde comme un mouvement artistique né durant la Seconde Guerre mondiale, traitant de la vie humaine et de sa mort. Au moment de la libération, Albert Camus devient l'écrivain emblématique de l'absurde, thème qu'il aborde à la fois dans L'étranger, en littérature, et en philosophie dans le mythe de Sisyphe. Donc, à sa suite, les dramaturges vont travailler sur le devenir de l'être humain, sur sa condition humaine, après avoir découvert les horreurs et surtout l'absurdité de la guerre. Donc, le XXe siècle a rendu l'art plus autonome par rapport à une société qui ne veut pas forcément refléter. La rupture avec la Renaissance est liée à l'expansion coloniale, la révolution industrielle, la modification des paysages et au traumatisme subi par les guerres, créé par les guerres. Les œuvres futuristes, c'est, on mélange beaucoup les formes d'or, on mélange les couleurs. C'est comme si c'est une émergence de quelque chose qui n'a pas forcément de forme. Alors que les œuvres surréalistes, c'est, il essaie de mettre sur toile ou alors sur écrit des choses qui défient la raison, mais de façon hyper réelle. Par exemple, il y a un tableau. Par exemple, ce tableau-là. Ce sont des choses qui défient la raison, des choses que tu ne pourrais pas voir arriver normalement, mais de façon, il essaie de tracer ça, d'utiliser une technique hyper réelle qui va faire sens dans ton imagination. J'ai la sensation que ça sort du tableau comme un coup de poing. C'est avec hyper réalisme. Ça veut dire que tu vois les choses, on voit la main, on voit même justement
les veines, d'accord? Mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas construit, qui est déconstruit. Est-ce que ce n'est pas bouddha comme réponse? Est-ce que ce n'est pas bouddha comme réponse? Ça choque et tous les spectateurs vont voir ça. Oui, est-ce qu'il n'y a pas une brutalité dans... N'oublie pas que le surréalisme, c'est la première crise artistique, donc je pense que le but, c'est de choquer après l'horreur, comme si après l'horreur qu'ils viennent de vivre. Le but, c'est de choquer, de sortir de la réalité surréaliste. Merci Isabelle pour ton exposé, je te félicite parce que pratiquement ce sont des choses d'une importance capitale. Maintenant, ce que je voulais savoir, tu as parlé quelque part dans ton exposé, que tu as dit que les artistes utilisent leur tableau comme étant un moyen de communication. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, est quelle a été la forme de bien ceux qui existaient pendant la période préhistorique. Et pourquoi c'est cette forme préhistorique? Parce que l'homme avait toujours ce besoin de communication. Maintenant, il y avait une forme de peinture. Maintenant, quelle a été cette forme de peinture? Et pourquoi c'était cette forme qu'on utilisait à ce moment-là? Je ne sais pas de quelle période exactement que tu parles, mais je pense que l'art a toujours été quelque chose de présent, même dans la période des cavernes où les hommes avaient toujours le besoin de dessiner sur les parois des caves pour laisser une trace, pour communiquer entre eux, pour savoir exactement, pour instituer un train de vie, pour qu'ils puissent communiquer leur train de vie, comment ils vivaient à cette époque. Donc, ils ont utilisé l'or, le dessin, c'est quelque chose qui est super. Ça répond à ta question. Alors, cette forme de la deuxième partie, la forme, c'est que. Au départ, je pense que tu l'as dit, c'est que là, c'était une forme d'imitation de la nature. Donc, cette forme que tu as, c'est des chasses, des formes de chasseurs, des animaux, des choix, que tu vas trouver dans les grottes de Lascaux, et qui sont particulièrement, qui représentent les scènes de la vie quotidienne. C'est pour ça qu'elle dit que ces gens-là, quand on va mettre dans ces grottes qu'on regarde, on a une idée de comment ils vivaient. Ils ont laissé des traces. Et la communication, je vais prendre ta question, la communication, ce n'est pas uniquement une communication présentielle, ça peut être une communication aussi intergénérationnelle, ou bien une communication dans le temps. Je vous donne pour ceux qui sont fâchés de science-fiction, on a découvert par exemple dans les grottes de Mexique des dessins de gens portant des scaphandres, alors que les scaphandres n'existaient pas à l'époque. Ça a donné lieu à toute forme d'imagination. Est-ce que ces gens-là ont rencontré des extraterrestres? Après ça, je vous laisse dormir avec. Autre question? Sur l'art? Et vas-y, Oliver. Darwin Corbel, est-ce possible de vivre dans une société sans art? Est-ce qu'il est possible de vivre dans une société sans art? Non, d'après moi, il n'est pas possible de vivre dans une société sans art parce que n'oublie pas que l'art, ce n'est pas seulement la peinture ou la musique. L'art se traduit autour de toi dans tout ce que tu fais, dans tes écrits. Et on a vu précédemment avec l'exposé d'Océane que c'est important d'exprimer ce que tu ressens pour ne pas être victime d'un refoulement qui va avoir des conséquences sur ta santé mentale et même physique. Donc, s'il est important de s'exprimer, l'art, c'est avant tout un moyen d'expression. Donc, ce n'est pas possible de vivre dans une société où tu es refoulé, où tu es quasiment prisonnier de toi-même. Donc, non, une société sans art n'est pas possible. C'est encore? Vas-y, Cédric. Tu as dit que le futurisme est comme un ensemble de plusieurs choses qui fait un seul. Oui, un mélange de formes. D'accord. Est-ce que le futurisme, tu peux trouver une mode du surréalisme? C'est une bonne question. Donc, est-ce que dans le futurisme, tu peux trouver une forme de surréaliste? D'après moi, oui. Parce que tu exprimes quelque chose qui va défier la raison.
qui va sortir du réel pour créer une chose qui n'est pas en opposition, mais qui rejette les logiques de l'esprit. Donc oui, tu vas trouver un peu de surréalisme dans le futurisme. Est-ce que le surréalisme n'est pas possible? Est-ce que le futurisme n'est pas des formes qui sont illogiques? Par contre, on est des formes illogiques, on ne peut pas reconnaître. Parce que le surréalisme sont des formes qui sont brutales et qui choquent les spectateurs parce qu'ils peuvent, d'une certaine manière, comprendre ce qu'ils croient. Mais ça choque quand même. C'est ce que le futurisme sont des formes qui sont illogiques, qui n'ont pas de sens. Oui. C'est pour ça que j'ai dit qu'on retrouve une. Tu peux trouver un brin de surréalisme dans le futurisme parce que bien que ce sont des mélanges, comme si des formes, un mélange de couleurs, un mélange de formes, c'est quelque chose qui va défier ta raison parce que tu vas pas marcher dans la rue et voir quelque chose comme ça de, qui se présente devant toi. Donc pour faire ça sortir de ton esprit, c'est quelque chose qui va défier la. On ne va même pas partager la même, comme si la même imagination. C'est impossible que dans. C'est impossible que toi et moi, on imagine exactement ça, l'esthétique futuriste, tu comprends? Donc ça défie la raison. Donc c'est pour ça qu'il y a un point de surréalisme finalement. Mais je pense qu'il y a une esthétique futuriste pour ceux qui ont des définitions. Il y a des erreurs que vous voyez, fait « Oh !» Comment vous voulez pour ça? Et c'est toi. Donc mais c'est comme ça, c'est une esthétique futuriste. Les êtres humains, nous sommes des gens qui sommes tout le temps en imagination, en création. C'est comme ça que nous faisons l'histoire. Nous faisons l'histoire en imaginant, en créant tout le temps. Donc, tu vois, et même quand on crée les idéologies, les formes d'art, tout ça, ce sont des choses qui partent de notre imaginaire. Quand j'étais jeune, on avait du mal à imaginer. Seuls les fous circulaient avec des vêtements déchirés. Maintenant, ça se vend et ça se vend cher. Par exemple, deux montants, si on pouvait imaginer ça, on dirait que c'est du futurisme parce que voilà. Ça n'a rien à voir comment on se tient des volets. Voilà. Ça veut dire que là, maintenant, vous êtes bien, vous êtes très habillé en étant déchiré. Et il y a un enfant qui, je ne sais pas si c'est un enfant qui a ce problème-là, chaque fois qu'il va chez ses parents, ses grands-parents, avec cette tenue-là, la grand-mère s'amuse à retrouver. Mais pour lui, c'est ça, c'est comme ça, pour la génération, c'est comme ça. Par exemple, il y a une chose qui était choquante à l'époque, ça fait être pas fin. Hein. Mais quand on regarde la tête de ma basse, on peut comprendre ce que c'est que certains futurisme. Il n'y a pas une harmonie. Et s'il n'y a pas d'intervention, on va dire merci à Isabelle. Alors Isabelle, tu pourrais faire une conclusion avec un petit rappel pour les enfants. Un petit rappel pédagogique pour comprendre ce qu'on va parler maintenant. Ce matin, tu as parlé de quoi? Donc ce matin, on a parlé des révolutions artistiques du 20e siècle. Alors, avant le 20e siècle, donc au 19e siècle, c'est un siècle qui est particulièrement marqué par le progrès. Donc les chemins de fer sont construits, il y a un progrès. Et donc l'être humain a foi en ce progrès que ça va continuer sur cette lancée. Néanmoins, on va les deux grandes guerres vont frapper et là c'est le choc, c'est une crise pour l'humanité. Et on se demande si la création après ça, le progrès est toujours possible après ce choc que l'humanité a subi. Donc, certains mouvements vont émerger avant la Première Guerre mondiale, comme l'expressionnisme, le futurisme ou encore le mouvement Dada. Ces mouvements vont apporter une rupture avec le passé, avec le 19e siècle. C'est plus dans l'ordre bourgeois, c'est l'expression de soi. Il y a aussi des ruptures en philosophie. On va sortir de la philosophie métaphysique pour aller vers une philosophie plus scientifique, c'est-à-dire qu'on va
soumettre la, on va soumettre la philosophie à des expériences réelles, des expériences vécues par des individus. Je pourrais leur dire, on ne sait pas si vous entendez parler du Parlement, le commissaire d'histoire peut-être parler de ça. D'accord. Non, pas encore. Pas encore. Et bien, Karl Marx, tu allais dire? Ok, je vais finir. Marx avait, pour expliquer ce qu'a dit Hegel, c'est que lui-même, il théorisait la question, la philosophie pour lui, qu'est-ce qu'on peut transformer le monde. Et peut-être que si un parmi vous se rappelle de cette phrase, l'histoire de toute société, pour Karl Marx, c'était l'histoire de la lutte des classes. Dans ce contexte-là, et c'est une philosophie qui, on appelle ça une philosophie matérialiste. Donc, qui s'oppose aux philosophies métaphysiques. D'accord ? C'est pour ça que beaucoup de gens, après Marx, vont dire qu'il faut vivre la philosophie de manière concrète, en essayant de comprendre ce qui se passe autour de nous. Parce qu'avant, et quand on connaît la philosophie à l'époque de Platon, cette philosophie-là parlait justement de ce qui était important, c'était le monde des idées. Il fallait planer. C'est donc par ça que nous avons l'habitude de dire toute bagarre qui saute en bas, négatif. Tout ça en haut, supérieur. Mais c'est depuis Platon. Platon, après nous, l'intellect est supérieur. Parce que l'intellect nous permet d'aller vers le haut. Les philosophes de la, du XXe siècle, et du XIXe siècle déjà, avec Marx, Engels, eh bien, il va dire au même, attention, il faut comprendre le monde, il faut penser le monde, il faut pouvoir transformer ce monde. Si on a compris. Tandis qu'avant, on voyait les philosophes, on disait que c'est quelqu'un qui était dans les nuages et qui pouvait tomber dans un trou parce qu'il était, il ne regardait pas devant lui. Donc, les matérialistes eux-mêmes ont changé, d'accord, en disant que, en prenant l'exemple que qu'on connaît bien, le matérialiste qui disait la preuve du pudding c'est qu'on le mange. D'accord? Donc ça c'est pour faire la lumière. Tu as une question, Babas? Oui, et tu viens dire que au début du 25, il y avait une rupture. La société, c'est exceptionnel, c'est bien. Mais pourquoi avant même la guerre en Ukraine, pourquoi il y avait besoin de cette rupture? Quoi y avait? Pourquoi il y avait besoin d'une rupture avec le 19e siècle? Je ne pense pas qu'il y avait besoin d'une rupture, mais c'est, il y a un concept en or qui s'appelle rupture, continuité et création. Donc je pense que pour arriver à... C'est un concept, c'est un cycle. Pour arriver à créer, il faut d'abord que tu romps avec le passé, tu ne peux pas continuer sur une... à reproduire, donc il y a... C'est une chose qui se fait. C'est un processus de création. Oui. Donc, pour ça que je... Ok. En, oui, en plus du renouvellement en philosophie, on va également observer une rupture en littérature avec de nouvelles formes littéraires. Et les auteurs vont être plus aisés à exprimer leur foi en la modernité. Certaines œuvres, par exemple, vont se consacrer uniquement à ce qui les entoure. Par exemple, il y a une œuvre qui se consacre uniquement au roulement d'un train. Donc, il est passionné par la technique que la roue d'un train a. Je ne me rappelle plus. Malgré cette rupture avec le passé, il y a également une continuité dans le théâtre, dans le roman et dans les arts en général. Donc, dans le théâtre, certains thèmes antiques vont être repris. Dans le roman, les codes romanesques du Moyen-Âge vont être repris, particulièrement la rencontre amoureuse, le coup de foudre. Et oui. Ensuite, on a parlé de la crise de création après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est à ce moment que l'existentialisme est survenu, où l'homme s'interroge sur sa condition humaine après qu'il ait vu, qu'il a été témoin des horreurs de la guerre et de son absurdité. En plus de l'existentialisme, on a aussi
aussi vu l'émergence de l'absurde, du théâtre de l'absurde qui aussi s'interroge sur l'humain, sa condition et sa mort, et qui, à peu près comme l'existentialiste, essaie de définir l'humain pour qu'il puisse faire face aux expériences auxquelles le monde le soumet. Donc le XXe siècle rend l'art plus autonome, c'est-à-dire qu'il n'est plus ça apporte une nouvelle définition de l'art, l'art n'est plus seulement assimilable au beau. C'est quelque chose, c'est un outil de communication où l'artiste exprime ses sentiments et son moi intérieur. On voit aussi, à la suite du XXe siècle, on voit aussi des œuvres de protestation qui n'auraient pas été possibles dans les siècles précédents. Donc,